Salut à tous les Pooks, c'est peut-être aujourd'hui l'épisode final. On a 18 PR, c'est pas énorme les gars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par victoire, je gagne à peu près 13 ou 14 PR. Donc si on fait des full wins, aujourd'hui on est champion. C'est une possibilité. Donc je compte, mais alors vraiment les gars, sur vous, pour mettre le record de likes qu'on peut mettre sur une vidéo. Mon record, c'est énorme les gars, un peu comme ma bite. Non, c'est faux. Mon record de likes, c'est 15 000 et quelques. On n'a jamais refait ça, mais on le refera sûrement jamais. Mais écoutez, je compte sur vous pour mettre les plus gros likes que vous pouvez. Parce que je vous jure, aujourd'hui, on a un prime à retrouver et ça va passer par prendre le champion. Je suis dans la merde! Il y en a qui aiment bien prendre en levrette. Moi, perso, c'est prendre le champion. Oui. C'est bien plus convivial. Banou point officiel, j'ai invité une escouade de plouc, les gars. J'espère qu'on va tous être au rendez-vous parce que le champion, c'est aujourd'hui. En tout cas, on va tout donner pour. J'ai entièrement confiance en mes ploucs. Pitié, les gars, faites les murs. Pas de Warden Roaming, pas de Trophée 5. Et si jamais il n'y a pas tout ça, je vous jure, c'est des free wins. Bon, trêve de blabla, on va se sortir les dos du Fion. Et aujourd'hui, c'est le champion. Enfin, c'est vrai que Fion et champion riment ensemble. J'aurais pu être poète. Poète, poète. Ah, tu vois, faut que je me concentre. C'est ça mon problème. Jamais être sérieux. Mais si je prends le champion avec une cagoule rouge, franchement, c'est la honte. Ah oui, aussi petit bonus parce que ça, c'est un truc qui me fait kiffer. On va mettre une PLS à 3 rageux. Exactement, ouais. J'ai les fichiers là-bas, sur mon ordinateur, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Allez, bonne vidéo. Pensez au gros like, c'est gratuit. Et on est parti pour la route finale de la route du champion. Cette première game, on aura de la défense, c'est un très bon point. Qu'est-ce qu'on s'enlève Villa? Ça me paraît être un bon choix. En face, ils vont enlever Gratte-Ciel. Faites-moi confiance. Ah, ne me faites pas confiance. Yes! La vie est belle. Hein. Moi, je suis content. Ma carte préférée. Oh, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon. Les mecs, on a 2.1 de KD, 1.7 de victoire défaite. Franchement, le champion là, si on l'a, c'est exceptionnel. Donc maintenant, ça n'a rien à voir avec la route du champion. J'ai une nouvelle philosophie, les mecs. Les gens qui viennent me... Bah oui, entre guillemets, je pense que c'est de l'harcèlement. Qui viennent sur le compte TikTok, les comptes YouTube, et qui viennent t'harceler 3, 4, 5, 6 fois. Ça fait beaucoup là, non? En étant complètement toxique, tu vois, en disant n'importe quoi, en venant te trash, en te rabaissant, en t'insultant, enfin bref, t'as capté. Et bah, je vais faire la même chose, mais je vais être plus intelligent. Ce qui va se passer de manière très simple, c'est que quand un individu va harceler de manière répétitive, et bah, je vais les afficher en vidéo. C'est enculé, tu jouiras. Et vous me connaissez, vous savez très très bien que c'est moi qui ai le dernier mot, je pense que vous allez vous taper une barre. Et les 3 personnes, parce que oui, vous êtes 3. Vous êtes pas content? Triplé. Qui m'ont cassé les glaouilles en commentaire TikTok, à me trash, m'insulter. Aujourd'hui, c'est à votre tour. Je vous l'ai dit. Bon, je vais pas vous insulter parce que je vais pas m'abaisser entre guillemets à votre niveau. Bah non, sinon c'est pas drôle. Mais vous allez vous prendre une petite PLS, ça va vous faire du bien. Et bien sûr, je compte sur vous en commentaire pour les remettre à leur place, les gars. Bah oui. Les rageux, tu sais, ils se sentent impunis sur R6. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir, etc. Vous n'avez pas le pouvoir. Il est mort en bas. Ah, le lion va m'empêcher de prendre mon kill. Je pense qu'il a dû se faire réanimer. Non, il est là. Ah, il est là, c'est lui ça. Alors, pour ce premier jeu numéro 1... Non! Ah oui, je meurs parce que je regarde mon PC, éteint. Ça m'apprendra, ça, tu vois. Bon, bref, du coup, maintenant, je peux. En gros, cet individu qui s'appelle Thomas, mes frérots, D5, c'est éclaté, éclaté comme son orthographe, les mecs, parce que vous allez voir un truc de ouf, le mec, il devrait passer moins de temps sur TikTok et plus de temps à l'école. C'est éclaté, on est en rank 2.0, c'est nul à chier, j'étais diamant champ 1.0 avec 1.6, donc frérot, 1.4 diams, on est en rank 2.0, c'est nul à chier. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'énergumène. Il vient me trash moi dans mes commentaires, il trash un abonné qui est diamant 5, donc diamant 5, c'est très très bien. Mais bon, à l'écouter, c'est Terminator, les gars, alors que les mecs, bon, je vais rien dire. Oui, j'ai fait un kilo Capcan. Je suis très content. Il est vraiment bête de pas l'avoir vu par contre, hein. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que cet individu n'est pas abonné à mon TikTok, mais il vient commenter en fait à chaque fois, tu vois. Donc le mec, peut-être il est homosexuel. Oh, il a le droit. Bah, je préfère te le dire, frérot. Bah, moi j'aime bien les bzaises. Des gros nibards. Les bananes, c'est pas bien mon kiff. Après, tu as le droit, mais voilà. Change de cible. Je ne suis pas attiré par toi. Donc oui, il vient me coller sous tous mes TikTok, il commente négativement, il insulte, il trash, ce que tu veux. Donc je me suis dit qu'aller faire un tour sur son profil pour être une bonne chose, pour te donner un petit peu un ordre d'idée de la personne. Et j'en suis arrivé à la conclusion que vraiment TikTok est la caverne, les gars, si vous préférez, non pas d'Alibaba, mais la caverne des attardés mentaux. Premier degré, c'est vrai. Atroce. Donc quand tu vas sur son TikTok, tu vois un truc, moi, ce que je veux, ce, S-E, bon, bref, on va faire abstraction de l'orthographe. Donc tu te demandes en fait ce qu'il veut, par curiosité, qu'est-ce qu'il veut? Alors c'est tout simplement... Oh mais qu'est-ce qu'il veut, les mecs? Bon, il aimerait bien trouver... Ah mais qu'est-ce qu'il aimerait bien trouver? Est-ce que ça serait trouver le One Piece? Est-ce que ça serait trouver sa dignité? Je sais pas, on va voir le dénouement final. Ma moitié qui ira en soirée avec... Moi, avec qui je me mettrais une mine désastreuse? Faites abstraction de l'orthographe, on va pas plus l'enfoncer. Moi ce que j'aimerais c'est trouver ma moitié avec qui me mettre une mine, Bon après chacun ses kiffs dans la vie. Il y en a qui veulent une copine, tu sais, bah pour avoir un but dans la vie. Fonder une famille, avoir des projets. Non, lui il veut se mettre une mine désastreuse.
Mais la seule chose qui est désastreuse, c'est la façon dont t'écris. Au lieu de me tracher sous tous mes TikTok, va faire des cours de français, mon frérot. Crois-moi que ça te fera le plus grand bien, mon ami. Je crois que nous avons... Oh, mais il y a un trou. Ah, oh, je n'avais pas vu. Viens, mon ami Cavera, viens, vite, relève-toi. J'ai peut-être pas fait de kill, mais j'ai réanimé mon allié. Pourquoi pas? Oh bah non, c'est pas gentil d'être méchant, bravo. Bien joué les frérots, vous avez été très solides. Un petit peu comme les icebergs. Ouais, la comparaison était pas folle, hein, les gars. Non mais voilà, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée sur l'individu, tu vois. Et c'est à chaque fois le même type de profil, des gens qui savent pas écrire, des cassos, des mecs qui ont besoin d'attention. Et je pense qu'il en a besoin, vraiment, parce que vous savez pourquoi? Alors peut-être Kwakubé, c'est vrai. Alors attendez, Capcan, c'est finito, j'ai oublié qu'il y avait Brava. Ça vient de me faire mal de me faire plomber, les gars. Viens, ma petite Thorn. C'est qui pose une question dans les commentaires? Je sais pas si je me lance sur TikTok ou non. Dis-moi si ça vous plaît. Oh là là, mais c'est pas dis-moi si ça vous plaît. Déjà, c'est dites-moi. Et le S-A, non, c'est C. C'est dit A. Bon, hormis le fait que personne ne lui a répondu, le pauvre, c'est triste. Cette personne a véritablement un besoin d'attention. Donc soyez des âmes charitables dans les commentaires. Donnez-lui de l'attention. Il en a besoin. Parce que pour qu'il vienne m'insulter à chaque fois sous tous mes TikTok, je pense vraiment que sa vie doit être morose. Et je suis pas en train de te parler de la musique de Damso, mais sa vie vraiment est nulle. Et il a un besoin d'exister et... Et soyez sympa avec lui, les mecs. Vraiment. Moi, ça me fait de la peine. Je me dis, les mecs, tu vois, ils sont chez eux, avec leur téléphone dans leur lit ou sur leur canapé, en slip. Et ils sont là, gna 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 gna. Ils te commandent des trucs négativement. Mais faut sacrément être un cas désespéré pour en arriver là. Après, désolé, avec tout le respect. Je trouve ça assez... choquant. Donc voilà, c'est comme ça les mecs qu'on humilie un rageux en toute passivité, j'ai envie de vous dire. Ça sert à rien d'insulter. Quand t'insultes quelqu'un, c'est que t'es à court d'arguments, malheureusement. Wesh, elle est passée dans la porte, les gars. Je vous jure, il y avait son corps à travers. Ah, elle a fait l'espèce de glitch bizarre. Oh, j'ai tué un mec au turn. Ouais. Aujourd'hui, je suis piège man, les gars. Ça fait plaisir de faire des kills facilement. On a le petit diffuse, mes frérots. On est deux. Bah, deux, mais deux, ça va le faire, je pense. Quoique, en face, il reste Blitz et Ram. Oh, Blitz, il va être pour moi. Non. Ah, ouais, attends, aussi, j'ai acheté un nouveau casque. Je sais pas si vous voyez. Son nom, c'est un Fnatic React, il s'appelle. Bien joué, gros. Et franchement, il est pas mal du tout, les gars. Mon HyperX, il commençait un petit peu à rendre l'âme, alors il marche toujours. Mais en toute objectivité, vraiment, tu sens que il rend l'âme. C'est pour le frérot, les gars. Bien joué, mon gars. Alors, je me suis dit que... Oh, mais la RAM, vous avez vu comment elle campe, c'est grave, hein. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le changer. Donc, je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas une sponsor, hein. Rien du tout, je suis pas payé. Ben, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. C'est loin d'être une sponsor. En vrai, il coûte 70 balles. Vous le branchez en jack, je sais pas si vous voyez. À la manette, par contre, vous avez pas de sans fil. Et vous avez pas de truc USB. Mais franchement, il est pas mal au niveau du son. T'arrives bien à situer les adversaires. Son nom, c'est le Fnatic React. Je connaissais pas du tout ce modèle-là. Je l'ai vu par hasard sur Amazon. J'ai regardé un petit peu les avis. Je trouve que c'est même meilleur en qualité sonore qu'HyperX. Après, c'est les goûts et les couleurs, les gars. Encore un trou de balle de TikTok avec un message console C-Gaze. Le S-E-S. Non, c'est possessif. Là, il faut que t'écrives C apostrophe E S T. C'est gaze. Alors oui, tu as le droit de trouver que la console c'est gaze. Tel est ton avis. Mais moi, je trouve ce qui est encore plus gaze, c'est les vidéos que tu fais sur TikTok. Donc les gars, c'est un jeu R6. Donc oui, je suis toxique. C'est un jeu R6. Donc quand il y a un dernier kill, je TK mon mate pour moi avoir le kill. Eh, hey, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Oh les mecs, on est en train de frôler les bas-fonds de l'humanité. Ce genre de personne, dites-vous bien, alors bah je pense qu'il est sur PC. Malheureusement les joueurs PC, cet énergumène ne fait pas... Il plaide pas en votre faveur, hein. Mais j'ai l'impression vraiment que sur TikTok, les gens ont des cerveaux qui sont mal irrigués. Ou alors leur maman les a versés trop près du lit. Enfin vous savez, généralement quand on sort des voies naturelles, on sort par le vagin. C'est vrai. Bah, je pense que certaines personnes de TikTok, elles, bah en fait elles sortent par l'anus. Pour déblatérer autant de conneries et de messages qui puent la merde à la minute, je me pose la question vraiment. Ça pue. J'ai envie de taper un push, les gars. Un rush énervé, hein. Pas de piège, pas de piège, pas de piège, pas de piège. Warden. Warden le moque. Pour une fois que je me ramasse un Warden, faut que ce soit un Warden site, les gars. Ils sont tous roaming d'habitude. Surpris. Non, mais c'est vrai, c'est rare, c'est une anomalie dans le système. Ce mec, c'est un Warden site. Enfin, j'en ai vu des choses dans ma vie, mais alors ça, première fois. Ah non, mais je vous dis, le Warden, les gars, il est chaud. Après, pendentif champignon, hein. Ah, bien joué. Il était meilleur. On peut le dire, il nous a trouvé le trou de balle. Faut dire les termes des fois. Bon, c'est vrai, on gagne 3-1 les mecs, mais on va pas se relâcher. Ils vont prendre le bureau, le BP bureau. Donc en vrai de vrai, qu'est-ce que nous on se prend? Un truc qui peut être utile. Ah, Nomade les gars, c'est très très fort Nomade pour empêcher la sortie. Non mais aussi, une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi en fait ce besoin, vous avez le droit d'être sur PC, sur console, où vous avez envie. Nintendo Switch aussi, bien sûr, on vous oublie pas. Mais moi je suis sur PS5, est-ce que vous me voyez, je sais pas, dans des commentaires, dans des chats, dire la Xbox c'est nul, le PC c'est nul. Je m'en fous. Moi, je suis sur Play 5, je fais entre guillemets ma vie. Et ce qui se passe sur les autres plateformes, je m'en fiche. La Xbox, par exemple, tu vois, il y a des avantages que la Play n'a pas. Admettons, sur la Xbox, vous avez des exclus. Comme jeu, il y a quoi?
Il y a Halo. Les jeux Halo, c'est très bien. Sur Play, qu'est-ce qu'on a? On a Spider-Man. En jeu, c'est très bien. Sur PC, il y a des exclus. Il y a Ready or Not. Tu vois, c'est très bien. Chaque plateforme a son lot d'avantages et peut-être d'inconvénients. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est si un mec, en l'occurrence, cette espèce de trou de balle masqué ohé ohé, il trouve que la console, c'est gaze. Ouais, d'accord. Mais quel est le besoin de venir le dire haut et fort? T'as quelque chose à prouver, t'as un complexe d'infériorité, t'as un petit kiki, on est deux. Bon, y a pas de mal à avoir un petit zizi. Mais arrête de complexer, reste sur ton PC, et si réellement tu trouves que la console c'est gaze, eh ben n'en parle pas. Pourquoi tu lui prêtes de l'intention? Il est vraiment super con, hein. Non mais c'est vrai, par contre, attends, ils sont mis cuisine, c'est une singerie les gars de se mettre cuisine. Cuisine. Oh, y a du Cap Canus sauvage, vous ferez bien gaffe les potes. Et là c'est Azami que je peux travers, elle en vrai, hein. Oh, le recul de Nomad, il est un peu spécial. Très très bizarre. Je la joue jamais. Allez, Nomad, vraiment, je ne la joue jamais, les gars. Et je pense que ça se voit. Il y a Azami qui va faire son petit setup bizarre, là. On va bloquer la Azami, les gars. Là, il est passé. Je crois qu'il y en a un qui est passé, gros. Ouais, effectivement. Bien joué, il l'a eu. On va bloquer l'Esca, Masterclass. Et on va bloquer le back. Là, je pense qu'on est assez bien. Oh, non, on n'est pas bien du tout. Cette fois, on a eu affaire au Warden Roaming, les mecs. Au fond, les gars, faites doucement. Le last, ouais, effectivement, c'est bel et bien le tonton Warden. Bien joué les gars, masterclass. Eh ben c'est une très belle victoire mes frérots. Je sais pas du tout combien on va gagner de points, ça va être la surprise du chef, un peu comme les Kinder les gars. Oh 18 points c'est bien, franchement je pensais qu'on allait gagner 13 ou 14. 18 c'est... bah c'est très bien, attends on est presque champion les gars. Oh, ça va le faire, ça va vraiment le faire, on va tout donner. Ça me fait bander. Ah oui, que serait une route du champion sans l'écran bleu? Ça ne serait pas une route du champion les gars, tout simplement. Ah nous nous prenons pas la tête, zen, soyons zen, on est presque champion du coup. Voilà, en plus de la défense. Merci Bibi. Vous remarquerez, à chaque fois qu'on a une bonne carte, les gars, on gagne. Premier degré, c'est vrai. Là, on s'enlève Labo, tu vois, dans l'espoir qu'ils enlèvent parc d'attraction. On a une chance sur 3 après de jouer sur Café ou Oregon. Et surtout pas repère. Surtout pas. Les amis, c'est l'heure de devine la carte. Et nous allons devoir trouver... Oh putain, c'est repère ça. Je suis pas content. Ah ouais, c'est repère, je reconnais... Merde. Je reconnaissais pas le bruit de la carte, misère. Bon, l'avantage, c'est qu'on a la défense, les gars. Dans notre malheur, soyons heureux. C'est bizarre de dire ça quand même. Est-ce qu'on va faire un perfect aujourd'hui? Une full win? Franchement, il y a moyen, les gars. J'ai l'impression qu'on est très solide dans la squad. C'est vrai que Kavera, elle peut être très sympa, les mecs, hein, sur... Oh, bah, la bonne elle a pris. Vilain, bah. Oh, le bâtard. Y a pas de bandit, y a pas de Kaid, tu sais quoi, je me dévoue. Je suis un mec dévoué dans la vie. Je pense à mon prochain. Ah, non, mais je vous jure, hey, par rapport au rageux. YouTube, ça va, il n'y en a pas de rageux, les gars, parce que YouTube, entre guillemets, c'est une commu, elle est saine. Vous avez capté? Mais sur TikTok... Premier degré, les ramassis de sperme séché qu'il y a sur mon compte, c'est terrible. J'arrive à me poser la question de pourquoi ils sont si nombreux. À quel point votre vie, vraiment, elle est nulle. Nul, nul. Si t'as du temps à perdre pour écrire des trucs pareils, ah, c'est du temps que tu n'optimises pas ailleurs. Et ça fait de la peine. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait de la peine. Encore une fois, un autre cassos dont je vous montre l'existence. Ça a changé les champs, t'es plutôt un champignon. Bon, le jeu de mots est sympa. Champignon, champion, oh, c'est drôle. C'est tellement dur de parler de jeu en même temps, les mecs. Mais regardez son orthographe. Ça a changé. Il a fait deux mots, 15 fautes. Et encore une fois, vous remarquez que c'est le même type de profil, tu vois. C'est pas des gros loubards qui viennent te casser les glaouis, non. C'est des mecs, ils ont sûrement jamais vu de foufou de leur vie. Et ils viennent essayer de t'apprendre la vie. Et vraiment, je trouve ça triste, les gars. Je sais pas s'il y a un couloir là-bas, ou s'il y a un mur en béton, tu sais. Oh, j'ai creusé une tête. Mais enfin, voilà, parenthèse terminée avec les cassos du net, les gars. Place à la route du champion. Bien joué. Oh, les gars, ils font tous les kills, les abonnés. Non, j'ai même pas eu le kill, fumier. Laissez-moi des kills. Tu peux te réanimer, gros, avec ton rookie. Mais elle est où, Nomad, les mecs? Elle est... Ok, elle est là. Regarde Warden comme il a faim. Warden, il a la dalle. Warden, t'es un chaud du sgeg. Non, les gars, en vrai, premier degré, moi, ça me fait peine. Tu sais, je me dis que ces gens-là, en fait, ils sont pas bien aidés dans la vie. Et vraiment, premier degré. C'est peut-être mon âme qui est trop charitable. Mais les trois spécimens que vous avez vus, je vous jure, à chaque fois, ils sont dans mes TikTok. Ils sont pas abonnés. Ça veut dire qu'ils tapent ton blast pour te trouver. Ou alors qu'ils tombent dans les pour toi. Donc, ça veut dire que le mec, tellement il scroll et qu'il tombe sur moi et qu'il est content, il est tout le temps là. C'est pour ça, peut-être qu'ils sont homosexuels, j'en sais rien. Ils ont le droit après. Hein. Vas-y, Oryx, tu fais l'air au tas, frère. Tu joues Oryx, frère. Qui est ce malade mental? Je sais que sexuellement, je suis très attirant. Mais il y a des limites quand même. Allez, c'est parti, on fait la petite trappe, les mecs. Et on a fini, promis, de parler des cassos d'internet. Promis. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais désormais, dès qu'il y a des cassos, moi, je les affiche. Il y a aucune raison que eux, tu vois, me fassent du tort. Quand je te parle de tort, je te parle pas du super-héros avec le marteau. Mais vraiment, hein, toute objectivité. Même si la carte, on met un 4-0, les gars. Je vous jure, j'aime pas. Hein. Vivement qu'on puisse la ban, je comprends que dalle. Après, c'est moi le problème, je la connais pas, donc forcément, mon jugement, il est un peu biaisé. Ok, il y a Ram au top, on va aller vite remonter. Et voilà, je sais plus où il est, l'escalier. Putain. Ah, franchement, ça, c'est... Faut avoir fait pas plus 15, les gars. Moi, je l'entends derrière l'un de ces murs. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Oh là, ouais, elle est bien là. En fait, il y en a deux, il y a Ram et Ace. Faut que je fasse un truc, là. Je vais me faire flash. Cours. Ok, je leur fais perdre du temps. C'est une bonne chose, j'espère qu'Echo, tu tiens bon site, mon frérot. Ah, dommage, dommage, mon frérot. En vrai, je suis pas trop mal, j'ai le site, hein. Elle a pris des balles. Et ça plante, ça plante, ça plante.
Ah, il plante, frérot. Putain, je suis désolé, les gars, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Je sais même pas comment je redescends maintenant. Ah. Oh, je suis devenu fou. Je vais forcément me faire attendre. Ouais, derrière le mur. Oh. Désolé les gars, j'ai essayé. Mais c'est vraiment compliqué cette map, hein. Y a pas de plaisir en fait. Tu joues dessus, faut juste espérer avoir de la chance. Je vais prendre la M12 en vrai. Je pourrais jouer de la longue distance parce que là le pompe m'a un peu handicapé. Handicapé, ce qui fait un point commun avec les gens TikTok. Les rageux, pas tout le monde, attention. En fait, la plupart des gens qui me taillent, les gars, après promis j'arrête. Mais c'est parce que ça me tient à cœur de bien vous expliquer. Les gens sont tellement aigris dans la vie. Prends l'exemple, admettons que le fait que je sois champion. Dans leur tête, les gens qui sont champions, faut qu'ils fassent ça, tu vois, à tous les kills. Décale, one tap, tu sais, des moves qui servent à rien. Des moves de Ronaldinho. Non, y a pas de Ronaldinho là. Laissez les gens jouer comme ils ont envie. Moi j'ai un gameplay simple qui me permet d'être champion. Je m'en fous. Pendant que vous bavez, bah moi je suis champion. Et entre baver et être champion, je pense que le choix est vite fait. Non mais c'est vrai, il y en a dans leur tête, faut faire ça, tu sais, des kills. Décale, one tap, qui sont matrixés, ils sont crus, tu sais, en frag movie. Et ces mêmes personnes-là ne sont pas, entre guillemets, tu vois, champions. Mais elles viennent baver parce qu'elles ragent. Mais pendant que moi je suis champion, vous êtes derrière votre écran et vous bavez sur moi. Quelle vie. Je pense qu'il faut que je monte un peu ma sensi. Hop, on est peut-être mieux là. Je sais pas du tout, on va voir ça. En ce moment, faut savoir que j'ai des très gros problèmes de sensi, les gars. Bien joué, les gars. Putain, ils sont chauds, les abonnés, hein. Tapis dans l'ombre, tel un grizzly. C'est comme ça qu'il faut jouer, R6. Pas de frag movie, pas de décal bizarre. Point de tape, tu te caches, tu fais un kill. Résultat, on gagne. C'est comme ça qu'il faut jouer. Moi, c'est pour ça, je remercie mes vrais abonnés qui sont bienveillants, qui sont gentils et pas des vulgaires random. Ça t'apporte rien. Enfin, si, t'apporte quelque chose en vrai. Parce qu'ils sont bêtes, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils te font quand même des vues. Donc en vrai, faut les remercier aussi, tu vois. Entre guillemets, ils veulent te nuire, mais c'est tes premiers fans. Chaque fois que tu mets une vidéo, ils sont là, tu vois, donc merci à vous. Il y a un mec site. Dommage. Ah, j'étais sûr, le C4, je vous jure que j'en étais sûr, le pauvre. Ah, il m'amuse, bien joué. Ils sont pas mauvais en face, les gars. Franchement, ça joue bien. Tu vois, tu sens que c'est la fin de route du champion et que là, tu te ramasses des mecs qui se lavent pas trop. Qu'est-ce qu'il fait, le Warden allongé? Les mecs, là, il a un problème. Qu'est-ce qu'il fait, une expérience? Il y a du écho du Warden, donc on sait que eux vont être sites, les gars. Là, par exemple, j'ai trop peur d'avancer parce que tu mettre un C4 là. Enfin, tu vois, là, comment tu veux tuer un mec là? C'est impossible. Il aura forcément l'avantage sur toi vu qu'il est en hauteur. Cette carte, elle est, je sais pas, elle a un mix entre le sida et le cancer, les mecs. Elle pue. Ah, vraiment, moi, je suis pas rassuré de jouer dessus. Ah, il est pas à terre? Mais il est pas à terre, même avec la grenade là? Bordel de merde, ça va chier. Mais la grenade elle pète à côté de lui, il meurt pas. Non mais c'est une... Je coupe la caméra. Allez, les cancers en face, ils ont sorti clash, les mecs. Putain, on était déjà pas assez dans la difficulté. Là, ouais, j'enlève la cam, vous savez pourquoi? Je vous jure, quand je joue, les mecs, j'ai une lumière dans la gueule. Ah, ça fait mal en fait. Mettez-vous une lumière dans la gueule. On verra si vous trouvez que ça fait plaisir, les mecs. Ok, personne au niveau de la... du balcon bizarre. La trappe, go, go. Ils ont même pas renfo. Je vous jure, c'est des trous de balles. Ok, on a Twitch quasiment BP. Je vais te droner, mon frère. Attends, bouge pas. Y'a clash, elle te pique. Oh putain de merde. Ah, le frérot, il a pas pu, c'est dommage. Oh, la grenade, vous avez vu ma grenade? Elle a ricoché bizarrement, les mecs. Ah, oh, je suis dégoûté. Justement, je suis mort, moi. Alors, quoique. Cancer de merde. Comment je me barre, les gars? Je peux pas. Bah, je peux pas, c'est injouable. C'est vraiment des gros cancers. Comment ils jouent, c'est des gros crados. Mais là, c'était très dur. Ouah, dommage, frérot. Oh, non, pourquoi t'as pris ça dans les mains? Non. Oh, vous pouvez le faire, les gars, vous pouvez le faire. S'il avait son arme dans les mains, je vous jure, on aurait gagné, les mecs. Oh, vas-y, la plante, bien. Il va arriver contact. Oh, c'est bien, frérot, c'est bien ce que t'as fait. On n'a pas des drones pour t'aider un petit peu, le drone Twitch? Ah, même pas. Vas-y, offre-nous les prolongations, s'il te plaît, ma couille. Oh, il est pas mort, là? Il est pas mort, en face? Mais pourquoi? Franchement, c'est une singerie, hein. C'est une singerie, il lui met à la SMG. Et il finit avec 5 HP, avec toutes les balles qu'il s'est pris. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est un délire. Ah, c'est dommage, les gars, dommage. On avait gagné quoi? 18 points avant? Il faudrait qu'on en perde, bah, fois les 15, 14, 13, un truc comme ça. Ouah, 19. Oh, ah ouais! Mais où on va, les gars? Non, mais oh, regarde ma poule, pleine, outback, labo. Ouais, franchement, on a la trinité de la nullité. On va se ramasser outback ou labo, les mecs. Ouais, c'était obligé, en attaque en plus. On est content. On va être mal. Par contre, le fait de perdre 19 points, ça va se corser vraiment, parce que dès que tu vas faire une défaite, ça va annuler la victoire que t'as faite avant. Et en plus, en déficit, t'auras un point en moins. Si ça, c'est pas beau. Après, il y a des frérots, ils sont bons, tu vois, il y a Ufri, il a 1.2 de KD, il est D1, il y a Supra, il est D5, 1.4 de KD, c'est des plouks de qualité. Et une fois, il y a un abonné en message, il m'a dit, ouais, mais bah nous, t'invites souvent les mêmes abonnés, c'est pas bien pour nous. Mais les gars, je vais vous dire un truc, et attention, c'est en toute gentillesse. Si j'ai envie de jouer 15 fois avec le même abonné, je joue 15 fois avec le même abonné. Il y a un truc dont j'ai horreur, c'est les gens qui râlent et qui pleurent pour rien. Sachez qu'un mec qui pleure pour que je l'invite ou je sais pas quoi, qui se plaint pour rien, ça me donne pas envie de t'inviter, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et attention, ce que je te dis, il y a vraiment aucune méchanceté. Je te le dis comme je le pense. Je suis un peu choqué. Tiens, c'est pour toi ça. Par contre, vraiment, depuis quelques jours, j'ai un problème de sensibilité.
J'ai l'impression que c'est pas la mienne, les gars. Et du jour au lendemain, ça m'a fait ça. Véridique, c'est vrai, les gars. Normalement, il y a sûrement un mec passerelle. Effectivement, il y a Mozy. Donc, vu que j'ai fait un trou, ça lui met une pression. Mais là, c'est injouable, gros. Comment tu veux passer ici? Comment tu veux passer? C'est pour ça que cette carte, elle est dure à jouer, je trouve. C'est très compliqué, je trouve, à gérer. Là, il y aura un Thorn, je présume, quand on rentre. Ok, ouais, effectivement, il y a Thorn, mon frérot. Je te mets un ping pour toi. Ok, on a perdu le diffus, c'est pas grave. Le Thorn qui pète. Oh, lolo. Non, ma sensi, elle est atroce, les gars. Elle est vraiment atroce. Je vous jure, il y a un truc, ça me gêne. C'est pas fluide. Il y a le Mozy, les gars. Tu sais quoi, on va lui faire peur. De toute façon, les grenades, ça va rien. On va rentrer avec le bruit de la grenade. Parfait. Mais c'est injouable. Je sais pas comment on doit attaquer, là. Regarde. Le terrain a été percé ou pas, les mecs? Le terrain n'a même pas été percé. Faut que je m'allonge un peu. Ah! Je sais pas si Mozy est mort. Oh! Eh, moi je la prends, hein. Moi je le prends le travers. C'est un truc de ouf, les mecs. Il me gonfle. Bah vas-y, eh, je prends Thatcher, les gars. Merde, je vais où? Viens, mon thermite, on va faire le T1. Je sais même pas où il faut qu'on aille, là. C'est où? Je crois que c'est en bas. Vas-y, venez, les gars, on va faire le T1. Là, viens. Viens, mon frère, vas-y. Là, bah ouais, là, viens là. C'est là le T1, viens. Vas-y, fais-le là si t'as envie, mais fais le bandit truc, je crois. Avec Tubarao. Vas-y, faut que ça passe. Aïe, 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 j'espère. C'est 4, mon frère, fuis. Mais du coup, on pourra pas faire celui-là. Ouais. Malheureusement. Il y a un castle là, la tête de. Tête de chien? Ouais. Tête de chien! C'est la tête des gens de TikTok, les gars. Vas-y, faut que j'arrive à en shooter un dans les trous, là, dans les petits pieds. Ah, oh, je l'ai loupé, lui, merde. Ouais, faut qu'on arrive à faire quelque chose, frère. C'est 4, ma couille. Oh là là. Là, il y a un gars dans le coin, les gars, dans le corner, au ping. Bah, même ça, j'arrive. Là, mets des coups de cut, gros, mais! Hein, depuis tout à l'heure, là, faut les mettre, les coups de cut, je peux tout faire, gros! Ah, on va perdre, les gars, c'est sûr. Bah ouais, on perd. Comment tu veux? On peut rien faire? Impossible! Eh, je vous jure, j'ai une sensi. J'ai l'impression, les gars, que c'est pas la mienne. Comme si, vous savez, j'ai un moustrap qui a une latence bizarre ou je sais pas. C'est vraiment très. Ouais, très particulier. Je suis pas à l'aise avec ma sensi. Alors que d'habitude, on fait des 15 kills par game, limite. C'est là, je comprends pas. J'ai du mal à saisir en vrai. Attention, on drone site, les frères. Le petit barbelé. Et hop là, on va être bien. Mais j'ai vraiment l'impression de plus avoir le niveau, les gars, vraiment. Et premier degré, c'est pas une impression. Wesh, il a poche, lui, hein. Ok, mort. On a le Mira décale, les gars, normalement, avec Mira. Moi, je vais essayer de vous tenir le petit coin. Sans me faire défoncer au bac, ça serait bien. Flores, j'ai peur du bac, moi, là-bas. Hein. C'est vraiment le bac qui me terrifie, les frères. Oh, il est pas mort, Flores! Il y a un mec au top. Ok, donc il y en a deux. H au top et Flores site. Donc H va sûrement arriver derrière moi, les gars. Bouge pas. Putain, gros! Là, viens, bouge pas. Arrête de bouger! Mais arrête de bouger, gros, il n'y a plus personne là-bas, arrête! Allez, SK, ouais. On a le diffuse au bac, hein, de toute façon, les mecs. Au ping. Attention, t'es droné, mon gars. Là, normalement, c'est bon, c'est gagné. Masterclass. Allez, on peut la refaire, les gars, la remontada. Mais cette sensi, oh, j'ai fait deux kills, mais ouais. Je vous jure, je suis pas du tout à l'aise avec. En fait, elle est lourde, les gars. On dirait que je suis en train de te parler de gridlock, mais pas du tout, gros. Elle est lourde de ouf. Oh, y'a un gars. Je te jure qu'elle est super lourde, ma couille. Aïe, on a perdu le frérot Wamine. Ça va être compliqué. Oh, y'a un fus. Oh, purée, les pommes de terre. Mets-le pas sur moi, on a même pas fait la trappe. Oh. Ah, je pense que c'est perdu, malheureusement, cette game. Ça va être compliqué, les gars. Ok, il est rentré à ma droite, il est rentré. Je la gère pas, moi, sensi de merde, hein. Je vous jure que je la gère pas. Normalement, ça, c'est des kills que je fais. Bon, il est pas mort. Je fais des kills hyper facilement. Là, j'y arrive pas. Par contre, c'est une singerie. Toutes les balles que Jaeger a mis à elle, là, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Ouais, bah, du coup, je crois qu'on va activer le bouclier anti-descente. Putain. Donc c'est vrai que ça va commencer là à être compliqué. Aïe. T'as puré les mecs, on se fait vraiment détruire le Fionnard. Labo s'il vous plaît les gars, on se fait détruire le Fionnard, même pas en 2, c'est en 15. C'est très convivial, c'est très sympathique, c'est gratuit en plus. Allez au Régon ou Chalet les gars, au Régon ou Chalet par repère. Ah, vas-y, va niquer ta mère. C'est trop grave. 3 cartes de merde à la suite les mecs. J'ai pas signé pour la scatophilie. Ah non, mais je vous jure, les gars, on a la poisse. Le réflexe, on va le tester. On fait des petites expériences, les gars. En détente. Et encore, vraiment, c'est ce que je vous dis, les gars. On a de la chance de pas commencer en attaque. Faut s'estimer heureux, même quand on est malheureux. Là, les gars, c'est très très bien la strat que fait Castle. Il fait des petits trous, tu vois. C'est assez sympa, ça. Inspirez-vous de ce qu'il fait dans le site. Ça pourra vous servir, vraiment. C'est très très sympa. Mais en gros, ouais, des fois, c'est là où il monte, vous savez, à l'espèce de petit balcon. Et en vrai, tu les shootes de là. Et c'est vrai que c'est assez fort. Dis-moi que t'es à terre, mon frère. Bien sûr qu'il est à terre. Mais très honnêtement, ma sensi, elle est désastreuse, les mecs. Bien joué, mes frérots. Ouais, je pense, mes frérots aussi, sans parler du problème un peu de...
206. Là, pareil, hein, je casse le drone, je me sens pas à l'aise. C'est vraiment bizarre. Sans parler de ces problèmes-là, je pense que j'ai beaucoup perdu de niveau. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça me le fait du jour au lendemain, quoi. Je peux être dans leur bac, en vrai, ça peut faire très très mal, les gars. Très 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 mal. Let's go, ça c'est un beau kill. Maintenant, objectif, retrouver le chemin du site. Bien joué, Poc Poc, il est pour moi, lui. Let's go! Rassurez-vous, hein, si ça vous le fait, vous aussi, les gars, que votre sensi, elle répond pas à ce que vous faites. En gros, l'action que vous entrez sur votre manette ou votre clavier, bah le jeu, j'ai l'impression que ça le retranscrit mal. Et ça, c'est pas propre à vous, hein. C'est, je pense, ça doit venir des serveurs, hein. Il y a une connerie par rapport à ça, bien joué, mon supra. Mais franchement, c'est hyper pénible. Tu peux jamais jouer à R6 en te disant « Ah tiens, on va jouer dans des conditions optimales. » Non, faut toujours qu'il y ait un truc qui vienne t'embêter. Là, regarde. Voilà, c'est pour ça que je bug, les gars. Europe du Nord, c'est écrit. C'est pour ça que mon jeu, ça retranscrit mal ce que je fais avec ma sensi, elle change. Quand vous êtes en Europe de l'Ouest, de l'Est ou alors du Nord, votre sensi, c'est pas la même. Bah non, tu vois, ça, normalement, je le loupe pas, ça. Mais en gros, ma sensi, c'est comme si elle avait, admettons, 10 points de moins ou alors 10 points de plus. Vous avez compris, en valeur? Tu peux jamais jouer normalement, en profitant normalement du jeu. Non, bah non. De toute façon, j'ai l'impression que je vous répète toujours le même truc en vidéo, les gars. Mais vraiment. Ok, le frérot, il l'a eu. Bon, bien joué, Nono la Grinta. Ok, 1v1. Bon, maintenant, faut trouver comment descendre. Ah, bah. On pourra pas tout de suite, les gars. Pas tout de suite. Le frérot va sûrement jouer la plante. Eh oui, effectivement. Je pense qu'il est là-bas. C'est pas une info sûre, les gars, mais je pense qu'il est là. Voilà, non. Il est surtout là-bas. Avec le bruit du lion, facilement, qu'il va pas entendre que je diffuse. Faut que ça passe, là ça passera pas. Malheureusement, dommage. Boum, tête. Ah, en vrai, là il y avait deux choix, les gars. Soit l'agresser et faire le kill et après diffuse. Ou alors tenter la diffuse en espérant qu'il n'entende pas le bruit de la. Bah, de la diffuse. Et sauf qu'il a entendu. Malheureusement, je pensais qu'en fait, que tu sais, quand il met le bruit de son lion, que serait camouflé la plante, enfin la diffuse. C'est quoi cette carte? Regarde tellement, il y a des papillons enfermés, les gars. Cette carte de merde. Ok, il y a Mozi. Mozi comme Mok. Oui, il a bugué en face. Il y a Mozi sur moi, les gars. En vrai, ils peuvent tenter d'aller faire une plante, hein, les abonnés. Hein. Vas-y, le bac. Je vous mets du feu, les gars. Ah, il est site, il est site. C'est bon, il est mort, les gars. Bien joué. Belle attaque. Ah, ils ont pris de la Mira en face cette fois. Mira, elle a beau être nerfée, les gars, tout le temps. Hein. Elle a dû s'en manger deux ou trois des nerfs violents. Mais elle reste toujours aussi aussi grotesque. Alors, où est-ce qu'elle va l'avoir mis, son Mira? Telle est la question. Il y a Doc. Vas-y, ma petite Osa. C'est bien, les abonnés, comme ça joue, c'est propre. C'est très, très bien. J'aime bien votre façon de jouer. Il est peut-être parti au fond. Vas-y, on va le faire bouger. Non, frérot, t'es passé devant moi, frérot. Défoncé. T'es juste passé devant moi quand j'ai tiré. Bah ouais. De toute façon, quand il va voir la vidéo, il va dire « Ah ouais, merde, je suis désolé, je voulais vraiment pas te mettre du feu. » Ah ouais, parce que... Il est bien là-bas, les mecs. Putain, j'aurais eu un kill gratuit, je suis deg. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Ah, what? Mais comment... Hein? Je le vois pas, hein. Regarde la POV, moi j'ai pas ça, c'est un truc de ouf. Ouais, les perspectives, hein, sur ce jeu, pas de ping rouge, les gars, stop. Les perspectives sur R6, elles sont maudites, hein. Toi, t'es comme ça, tu vois personne, et l'autre mec te voit. Regardez-moi ça, les mecs. Et tu meurs, y'a rien de plus rageant. Truc de ouf, en plus, je reste, hein, tu sais, je me dis, je vais pas mourir. Ah bah si, je suis bien mort. Ce fut un moment très convivial. Franchement, j'ai beaucoup apprécié me faire casser le cul. Alors, où suis-je, moi? Ah, mais regarde, je suis à l'opposé. Regarde, je pensais que j'étais là avec mon drone. Oh, mais je comprends rien, cette carte. Oh, prochaine saison, quand on va pouvoir enfin la ban, on va faire, les gars, une pétition pour la bannir à chaque fois. Et qu'Ubisoft se rende compte, en fait, que leur map, c'est vraiment de la merde. Là, on peut faire le T1, les gars, ici, je sais même pas. Là, Ace, je sais pas où t'es, mais si tu veux, tu peux faire un T1. On apprend des choses tous les jours. Alors, du coup, mon drone, ça veut dire qu'il est là, maintenant. Ouais, oh, y'a un mec qui me pique. C'est Docteur. Tu vois, pourquoi faut pas mettre de ping rouge? Oh, quoi? Il est mort, là? Ouah, toutes les balles que je lui ai mis, gros. Oh, c'est une singerie, le nombre de balles que le poteau, il s'est pris. Y'a encore un mec là. Ouais, il y a Mozi, je peux plus aller très très loin, il y a un mec derrière le shield. Alors vous savez quoi, ce drone, je vais le laisser au bac. Là, je suis prêt, gros. Faut que je casse le shield, les gars. Ah, j'étais obligé. Oh là là, je vais mourir. Premier degré, les gars, je suis l'homme le plus mort de France. Il y en a un dans le petit coin au fond, c'est une torne. J'ai pas pu mettre de ping, mon drone. Ouais, c'était sûr. Vas-y, faut que je la crame et que les abonnés fassent le taf. Je sais pas du tout si j'ai réussi, les gars. Oh, le pauvre, il a pris une balle perdue. Oh purée, il va y avoir un mec dans le contact. C'est un truc de zinzin, les mecs, hein. En fait, les gars, je trouve que cette carte, elle a pas de... Comment dire, elle a pas d'âme. Tu vois, tout se ressemble, tout est pareil, tout est monotone. Alors que tu prends l'exemple de Frontière, de Gratte-Ciel, de Consulat, les cartes, elles ont une âme, elles ont... Je sais pas, elles disent un truc. Là, oui, ici, y a vraiment pas d'âme. Ok, c'est rentré là. Il est encore dehors. À 2 minutes, il est encore dehors, les gars, c'est une singerie. Ok, on a perdu Nono la Grinta. Est-ce qu'à les gars, j'entends un truc. Allez, le lion qui va nous empêcher de courir, malheureusement. On va se cacher, les gars, on va faire un bac de l'extrême. Quand faut le faire? Ok, bah, ça va peut-être être le moment. Oh là là, oui, c'est le moment ou jamais. Oh, ça a posé. Le castle, là, il va m'emmerder. Oh, là, je suis dans la sauce, les gars. Dans la bonne sauce.
On peut essayer de le faire, mais ça va être chaud. Mais là, tu vois, je sais pas revenir hein, sur site, je comprends pas. Là, il va y avoir quoi? Là, c'est l'extérieur. Voilà, je comprends rien à la carte. Tout se ressemble, tout est pareil. Celui qui a inventé la carte repère, j'espère une chose, c'est que ton... Ah, j'allais dire une dinguerie. Je sais pas quoi te souhaiter, mais... Je vais pas te souhaiter du bien. Putain, fais chier. Je vous jure, les gars, tout se ressemble. C'est la même, en fait. T'as que l'extérieur qui est joli. J'allais dire joli. Qui est joli, les gars. Le reste, c'est trop nul. Sans déconner, tout se ressemble. Tu vas quelque part, t'as l'impression que c'est le même endroit, en fait. Alors pas du tout. On mange des, faut qu'on se ramasse, bah, bien sûr, l'attaque. Vous me direz, c'est logique, en vrai. Je vais essayer de mettre une grenade, les gars. Là, ça cassera le mozi et le barbelé. Ouais. Parasite détruit, ok, ok. Ça nous permet de prendre un peu d'informations. Bien joué, mon toc-toc. Poc-toc, pardon, il s'appelle. Si à rame, tu vas aller au top, bah, y a pas de rame, mais y a un mec, là, pour faire le plancher, on peut le défoncer. Il y en a un site, ils sont trois sites, les gars, trois. Bien joué, 5v3, il est chaud, poc-poc, les gars. Allez, on a gagné, je pense. Ça me paraîtrait pas impossible qu'on gagne. Attention, les gars, j'ai mis une grenade. Ok, ok, ça pète, ça va péter. On drone, on a le temps. Doucement, on est que 4v2, c'est pas du tout win, les gars. Warden au ping, il a les lunettes, ça veut dire qu'il est insensible au flash. Je joue le ping rouge, ping rouge, ping rouge, ping rouge sur le Warden, les gars. Il faut lui niquer sa mère, les deux sont là, un qui plante. Bien joué, masterclass, les gars, belle game. Ah, c'était compliqué quand même, hein. Wow. Ah, mais franchement, les gars, heureusement qu'on a gagné, parce que sinon, on redescendait, bah, des deux, je crois. Sauf que du coup, on va se rapprocher un peu du champion, j'ai bien dit un peu, les gars. C'est un bien grand mot, on va prendre du 19 points. Ok, ok, ok. Personne ne l'empêchera. Et pour les crambles, tape dans tes mains. Et pour l'écran, je tape dans tes mains. Allez, une bonne carte, Ubi, pour avoir attendu 5 minutes, s'il vous plaît. Bon, quand je dis 5 minutes, j'exagère, les gars. J'exagère. Oh, elle est encore là, cette... Oh, putain. Non, ils sont pas dit qu'on suit là. Oui, on a eu la meilleure des trois, les gars, oui. Peut-être que je suis tout nu. On sait pas. Ouais, je vous le dis. Je suis un homme heureux, là. Ça y est, enfin une bonne carte. Non, c'est vrai, moralement, quand t'enchaînes deux fois de suite à repère, ça fait bobo les fesses, les gars. En vrai, Ubisoft, ils s'en foutent, hein, de notre avis, les gars. Mais si on pouvait leur passer un message de faire des cartes en vrai en superficie comme chalet, tu vois. C'est très très bien chalet comme carte. Au lieu de s'entêter à nous faire des je sais pas, là, des labyrinthes, des pyramides. C'est vrai, c'est réel. Je sais pas si Aruni elle est toujours dans le garage inutile, les gars. Déjà, qu'est-ce que fait Aruni garage inutile? Qu'est-ce qu'elle fait, les gars? Faut plutôt se poser ce genre de questions. Ok, Supra, il a pris le trophée, j'arrive avec toi, mon frérot. Il y aura un trou sûrement. Oh là ouais, la zami de ouf qu'ils ont fait. Vas-y, tu peux ace, mon gars. Vas-y, vas-y, ace. Ouais, il s'est pris un coup de peupon d'Azami, gros. Oh. Ok, Azami morte. On va se tep la Rooney. On va se péter les barbelés. Ok, il est pas site. Enfin, si, il est site, les gars. Il était piano, je crois. Piano. Je te raconte n'importe quoi, gros. Oh, je suis en train de perdre les mots. Il était dans le connecteur. Bien joué, mon gars. Il a tué son viseur, wesh. En vrai, là, faites toujours des trous, hein, comme eux, ils font, les gars. C'est ce qu'il faut faire sur chalet. Même, il y a une strat à faire avec le bon vieux Tachanka. Elle est tellement puissante. Bien joué, Poc Toc. On a une bonne escouade, les gars. Mais premier degré, les routes du champion, j'ai l'impression qu'elles deviennent trop dures. Après, c'est peut-être nous aussi qu'on sera molli, hein. C'est une possibilité à prendre en compte. Je vais essayer de... Qu'est-ce que je peux faire? Mettre une grenade, en vrai, pour casser le bandit, mais il y aura un bouclier là. Et je vais laisser un drone ici. Vas-y, on peut y aller, mon gars. Vas-y, go, go, c'est parti. Faut que j'arrive à péter les bandits. J'espère que ça marche avec la greu. Allez, allez, allez. Ouais, plus 20, c'est bon. Tu peux ace, mon frérot. On est multifonction aujourd'hui, les gars. Ça, j'aime bien, j'aime bien. Derrière le shield. Alors lui, les gars, ça va être simple. Basique simple, comme on dit dans le jargon. Pour Supra, on va lui mettre une grenade ici. Ça le fait bouger. Je pense qu'il l'a eu, il y a un frost ou pas? Non. Oh. Oh, ce qu'on lui a mis. Allez au bac, bien joué gros. Ah, ils ont enfin compris, ils se sont mis en bas. En bas là. On leur met des belles petites attaques. On va casser un peu de stuff si on peut. Ok, il va y avoir un mec au niveau du pylône, je présume. Bien joué, Poc Toc. Ouais, effectivement, il y en a un. Aïe, 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 aïe. Arrête! Je plante les gars, cover! Contact à moi je crois les gars, non? Il a pas un à droite là? Ah non, mais c'est un abonné. Ah non, il avait un gars, bien joué, Supra! Oh les gars, j'aime quand ça joue. Quand ça joue comme ça là. C'est une fierté. Wouah, il m'a pompé gros. En gros les gars, la technique incroyable avec Tachanka, c'est que quand le T1 va se faire percer, vous êtes bien d'accord. À un moment donné, c'est ce qui peut arriver. Une fois que c'est fait, vous mettez un coup de lance-grenade, bam, là-dedans. Et en gros, la grenade, elle va ricocher à peu près par ici et ça empêchera le planteur de poser. Ouah, il y a une Amaru qui rush les gars. Wouah, faut juste faire attention là, en face de vous et surtout derrière. Mais là, les abonnés sont très solides. Bien joué les gars. Je sais même pas si au final ils vont le faire le T1. Oh, y'a Oza. Oh, bien joué, bandit. Il est chaud, bon petit bandit. Faut faire attention que ça rentre pas trop fait. Mais ça a pas l'air d'être le cas, pour l'instant. Elle va remettre un bouclier, je présume. Oh, t'as l'envers, je l'ai vu. Est-ce que Doc, t'arrives à mettre une picousse, frérot? Merci, mon frérot. Y'a H en dessous, les gars. On va commencer un peu à temporiser. La petite rota. C'est super bien. Ah non, j'ai cru qu'il l'avait eu. Faut que je me taille et que je retourne vite à mon bouclier. Ok. Y'a un laser, les gars. C'est pas le mien, celui-là. Hein. Ouais, il est là. Juste, ouais. Là.
du coup les gars, mon plan va peut-être marcher en vrai, hein, et que ça rentre pas là-bas. Ok, le T1 a été fait. Donc le mec au niveau du long couloir me tue pas. Il est toujours là, on va le ralentir comme on peut. De toute façon, il y a des barbelés par terre. Let's go. Oui, il est là. Faut pas que je meure les gars. Wesh, elle est où ma SMG? Normalement avec Shankar les gars, j'ai une SMG, wesh, elle est où? Je m'attendais pas à avoir un petit gun dans les mains. Bien joué mon petit bandit. Oh, on a eu chaud. Oh, l'animation avec tonton Shankar, elle est incroyable. Regarde ces gros tétons les gars. Magnifique. Les météorites dans le crâne. Dans le crâne à ta mère, fils de... Il est trop beau Shankar. Si j'étais homosexuel, je pense que je lui aurais léché la bite. Très belle bite. Bon, on s'éloigne un petit peu de la zone entre guillemets de relégation du Diamant 2. Et on prend le large. Oh, ok, 18 points avec 37 PR. On revient un petit peu initialement là où on était les mecs. Ah, vous avez raison, banque, les mecs, ça dégage. Allez, frontière au consulat s'il vous plaît en face. Ou alors gratte-ciel aussi, pas pleine d'émeraude. Oui, frontière. Peut-être que je suis tout nu les gars. T'as vous remarqué, dès qu'on a des bonnes cartes, on met que des 4-0 les gars. Donnez-nous des bonnes cartes, nom d'un chien. Alors maintenant la question les gars, est-ce qu'ils vont faire le push, vous savez, avec, comment elle s'appelle, avec Ying? Je sais pas, mais en tout cas je vais prendre Fenrir, on va empêcher ça. Mais félicitations à la squad les gars. Malgré les puantes champions et tout en face, vous jouez très bien. Putain, je vais tester de mettre un Fenrir caché derrière la lampe les gars, on va voir si ça passe. La petite caméra blindée, on va les obliger en fait à rentrer ici. Regarde le Fenrir, tu le cales là. On va tester hein, les gars, y a rien qui nous empêche de tester un peu des strats. Le contrôle de la CCTV, ok. Le frérot Supra qui va faire son spawn kill, on va le laisser faire. Là pour le push Ying, c'est trop important ici les gars. On est assez bien. Regarde, activation de celui-là. Masterclass. Oula, il y a un fuse. Fuse ! Ouais, ils vont effectivement rentrer. Ils vont faire la strat. Le contrôle du bureau. Et on a trois Fenrir qui sont assez intéressants. Ça devrait le faire. Ok, il a pris le balcon. Voilà, ils l'ont eu. Bien, wesh, les gars. Je vous jure, vous êtes des ploucs de qualité. Oh, oui, ce qu'on lui a mis, les gars. Oh, donc, non, j'allais lui rendre une petite visite. Le frérot s'est fait décapiter. Ok, on va voir s'ils sont CCTV. Non. On va réactiver au balcon. Oh, toujours pas là. On va jouer avec leur couille, les gars. Ouais, ils sont pas là. Au back. On a le Fenrir pour contrôler la zone. En vrai, ça va le faire, les gars. Je suis très confiant, là. On va remettre celui-ci. Fenrir, c'est un agent. Tellement fort. Ouais, au back. Balcon. Il reprend des Fenrir. Cavera, ça va être pour toi, mon frérot. On joue avec lui. On est là. J'essaie de faire ce que je peux, mon frérot, pour toi. Hein. Mais c'est très, très dur, là. Balcon, Cavera. Bien joué, mon frérot. Vas-y. Regardez, le Fenrir, il fait trop le tap. Cavera fait trop les kills aussi, hein. Ok, pas grave. Il pose. Masterclass. Il a fait trop le taf le Fenrir ici là. En vrai on est sur une bonne dynamique les gars, faut rien lâcher maintenant. Mais je pense très sincèrement qu'à terme on sera plus champion, c'est peut-être l'une des dernières fois où on l'est. Enfin après ne jamais dire jamais, c'est vrai les gars, mais c'est tellement dur. Je trouve que le niveau c'est quand même pas mal. Putain. Il s'est quand même pas mal relevé. J'avais la vue sur ses pieds les gars. Viens mon frère Rodox. Je t'aime mon gars. T'as un crack. J'ai envie de toi. Sur Capcan, j'ai la poignée les gars inclinée. J'aurais pas dû la mettre je pense. Parce que j'ai un recul. Ah j'ai pas contrôlé comme il faut. Infuse. Oh, je vais peut-être mourir. Non c'est bon. Ah wesh, pourquoi on a pas fait le trou site là les gars? C'est quoi ça? Pour moi. Ah j'ai chié. Ah, il reste 13 secondes mon docteur. Ah, il diffuse. Masterclass. Oh, j'ai cru que j'avais mis. Voilà, Supra, bel open kill. Les gars, je vous jure, ça joue très bien là. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas eu d'erreur manifeste où vraiment, tu sais, on fait de la merde, qu'on se prend des open kills bizarres et tout. Aujourd'hui, c'est trop trop bien comme ça joue, c'est plaisant les mecs. Donc vraiment, je tiens à vous féliciter. Ah, j'ai oublié d'enlever la poignée inclinée sur Capcan, je suis un trop de balles. Non, mais c'est vrai, les gars, le champion, c'est une aventure tellement sur le long terme, c'est compliqué. Bien joué, Poc-Toc. Il faut être focus du cuivre en fait jusqu'au champ, les mecs. Le last, c'est un fuse. On n'a pas l'info d'où il est. Ah bah, il est mort. Wesh. C'est qui ça qui sort avec Mira? C'est quoi ce délire? Je crois qu'en face il sort en plein craquage les gars. Premier degré il craque. Oh y'a Mira ouais. On peut essayer de la faire bouger. Est-ce que la grenade va arriver au bout? Je crois pas. Non. En tout cas y'a personne devant. Vas-y on va en faire bouger un. C'est parti les mecs, go. Buck il va tous les enculer, regarde bien. Oh il est mort comment? Derrière Mira? Ah je crois les gars. Waouh. Ah passe pas devant. Désolé pour les bastos dans le fion mon frérot. Le turn. Ah planté. Bah, ne plantez pas. Bien joué. Ouh. J'en perds les mots. Oh, ce qu'il lui a mis, wesh. Oh, encore un 4-0, les mecs. C'est quoi ça? Poc-poc, il est chaud, les mecs. Hein. Ça me choque à quel point on est en train vraiment là d'enchaîner les wins. C'est une dinguerie. On a fait du 4-0. Oh, c'est bien. On va remonter un petit peu les ratios. Combien de points on prend? On prend du 18 points. On est à mi-chemin du champion, les gars. Ouh, c'est beau quand même. Hein. Et pour l'écran bleu, allez.
S'il n'y a pas d'écran bleu, c'est pas une vraie game de R6, les mecs. Oui, de la défense. Là, le frérot Supra, il a pris son petit D4, les gars. On est content pour le frérot. Comment ça, café, les gars? Comment? Vous êtes des ouf, les gars, c'est une bonne carte, café. Ah bah oui, pour se ramasser Clubhouse, bah, c'est très très bien, bravo. C'est bien. La cata. Bon allez, jamais 203, troisième victoire normalement, d'affilée. Enfin, ces pseudos font peur, les gars. C'est quoi ces pseudos de ce geek, Yasuli? Attends, si je cache un Fenrir là, ouais, il est pas mal, faut que je le mette un peu plus haut. En vrai, les gars, testez hein, des strats, c'est vraiment bête. Tu te mets en game, tu testes, là, il est pas mal du tout. Tu le vois pas trop, en vrai. Donc ça te fait un bon contrôle par rapport à l'escam main. On n'a pas pris de bandit, de cade, ou je sais pas trop quoi. Du coup, les tiens vont forcément se faire open, les gars. Hop, petit Fenrir là, petit Fenrir ici, un autre là. Allez, on active le premier escam main. Le T1 se fait percer, donc là, on a un Fenrir là-haut. Hop, et du coup, les gars, quand ils rentrent, ils se prennent les ténèbres. C'est pas plus mal, en vrai. Hein. Oh non, Twitch, elle a tout niqué, Twitch. Je vais péter un câble. Ah, genre de merde. Qui joue Twitch en big 2024? Purée, elle a tout niqué. En même temps, les gars, on a pris un BP de merde. Pourquoi on s'est mis là? Wow. Misère de misère, c'est ouvert. Ah ouais, c'était sûr que ça allait poser. Bien joué, le Capcan. Morte. Shit, shit, shit. Ouais. T1. Ah, dommage, j'ai essayé de pique. J'étais gourmand, mais j'étais obligé. Je vais essayer de faire un bandit trick, les gars. Chose que je n'ai plus fait depuis 2015, je crois. Si j'arrive à le faire, normalement, c'est une free win. Mais c'est vrai qu'on a pris le BP champ. Pourquoi on a pris ce BP, les gars? Fallait prendre d'office ici. Ah, tu vois, c'est pour ça que je veux faire le bandit trick, les mecs. Parce que malheureusement, Twitch, elle va... Ah, merde, putain. Mais ça va rentrer, il y a le montagne. Avec le termite. Oh, il est rentré, montagne, les mecs. Hein. Attention, mon petit Wamai. Ok, 4v2. Est-ce que montagne est tombé? Je crois, hein. Mais porte, enfin fenêtre plutôt, avec un mec garage les gars, c'est les deux last. Bien joué gros, et l'autre, j'ai plus l'info, je crois qu'elle est dehors. Ah bien joué gros, bon on l'aurait eu dans tous les cas. Putain c'est vraiment dommage, on s'est pris une manche de cotorep là, à la chambre, c'est le pire BP sur cette map de merde là. Je vous jure, c'est le pire chambre, il est horrible à défendre. Attention, attention, gros. Là, Wamai c'est un malade mental gros, il push à la one again tonight. Wow, j'avais une double, je suis dégoûté. Ouais, ça pêche où là? Bleu, bleu, bleu. Un bleu, daboudi, dabouda. Ouais, il est bien pêché lui, hein. Oh les gars, là, Saint-Jean, c'est pris moins 2 dans le bleu. Moins 3. Allez, on y va. Il y a un Fenrir au top là-bas. On sait que s'il passe, il s'active. Il va arriver, je crois. Sauf si le Fenrir a été cassé, c'est une possibilité, les mecs, hein. Wesh! C'est quoi ça, les gars? Wesh! Mais... Hein? C'est quoi cette merde d'échec de connexion? Ce jeu, c'est vraiment... Oh, c'est la plus grosse merde du monde, ce jeu. Sans déconner, c'est mes games pour être champion. Impossible de se connecter, pendant que vous êtes en escouade. Je suis, les gars, mi-champion. Comment je fais pour me reconnecter? Impossible de se reconnecter pendant que vous êtes en escouade. Ce jeu, c'est la pire chiasse du monde. Se reconnecter. Est-ce que tu vas me reconnecter? Je vais être ban, les mecs. Ah, vas-y, en plus, on perd la manche. Les gars, on perd la manche à cause d'un vieux bug de merde. C'est un truc de zinzin, ce jeu, il a 10 ans. Comment tu veux défendre ce Ubisoft? Ils brassent des millions et des millions, voire des milliards. T'as tous les influences suceurs de la scène R6, ils sont là pour avoir des charmes, ils sucent le jeu jusqu'à là, jusqu'à l'os. Comment tu veux le défendre? Ce jeu, il est indéfendable, les mecs. Indéfendable. Encore, ça peut arriver de temps en temps. Mais ça fait plus de 10 ans que ça arrive. Allez vous faire un... Ah, je vais pas insulter. On perd la manche, les mecs, juste parce que je me fais déconnecter. J'avais un free kill sur Buck, il était devant moi. Devant moi, il était. Voilà, bien joué, Supra, on va devoir les calmer. Putain, je suis deck, c'était une free manche. Sans déconner, il y avait un Fenrir à l'escam main, les gars. Je pouvais pas mourir, impossible. Allez, viens, mon termite, on y va. Va de l'autre côté, va faire le T1. Normalement, t'as Thatcher qui t'attend. Nous, on va droner tranquille, on va taper un push. Ah, je suis abattu, ce jeu, ça me rend ouf. Vas-y, là, tu peux casser, frérot. Est-ce qu'il y a un mec garage? Ouais, effectivement, il y a Mozy. Il y a un mec contact. C'est bien, on a deux infos, les gars. Ok, il a pris des balles. On push. J'avais pas le choix. Je vais peut-être mourir, les gars. Faut qu'il me cover, Supra. Le gu, il fait trop mal, le gu. Ah ouais, il faisait trop mal, ce gu de merde. Je n'en peux plus. Ah, ça me pète les couilles. Tu vois, ça, c'est le genre de game, tu peux pas les perdre. Et vous remarquerez, je suis le seul à qui ça arrive. Le seul, c'est pas en face hein, que ça arrive, non. Faut que ça m'arrive à moi, au pire des moments. Jeu de merde, faut dire les termes, c'est un jeu de merde. Allez, bref, passons, on va pas épiloguer pendant 45 ans, les gars. Comment il te tue? Ah, désolé, faut pas que je m'énerve sur vous, vous avez rien demandé, les gars. C'est juste là, ça me terrifie. Comment... Ça m'a fait perdre une manche pour rien. Allez mes frérots, faut qu'on soit solide, ok? Bien joué Supra, bien mon gars. Au ping, Capcan, roaming. Pas de ping rouge les gars, stop et ping rouge, arrêtez là. Ping jaune, voilà, comme ça vous avez compris, c'est bien. Logiquement il va être pour nous Capcan. Je sais pas s'il a bougé là, qu'est-ce qu'il fait le Capcanus? Non, il repasse à l'escamine. Vas-y j'arrive mon Supra, pète le Fenrir, bien ça. Allez je te mets une grenade, cover moi gros. Bien joué, tu barres, j'ai pas du tout l'info du lait. La plante elle passe, bien. C'est 4 gros. Mais comment il passe là?
Mais comment il passe là, gros? Vas-y, on a perdu, ça me pète les couilles. Allez, s'il te plaît, dis-moi que t'as pas le temps, 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 dis-moi que t'as pas le temps. On a pas perdu, les gars. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C'est un miracle d'avoir gagné la manche, hein. Ça s'est joué à une seconde, je pense, en vrai. En vrai, vraiment. Mais putain, la manche qu'on a perdue parce que j'ai été déconnecté là. Je vous jure, je vais vous le rappeler à vie, ça, les gars. Viens, frérot, avec le diffus. Va pas le perdre, je sais pas où. Lâche-le si tu veux. Vas-y, donne-le-moi. Bien joué. Et comme ça, toi, tu vas passer au niveau du chantier, gros. Et nous, on va aller faire les trappes. Voilà, on se prend les open kill. Ah, allez, les gars. Faut aller faire le chantier, les gars. Si on prend thermite et tout, c'est pour faire le chantier. Ibana, elle fait des trappes dans notre squad. Putain, je peux plus. Il est où le Mozi, hein? What the fuck? Ok, le Gus sera mort, c'est une bonne chose. Avec le Fenrir surtout. Ping jaune au niveau. Ouais, ok. Là, ici? Je comprends pas. Les sons sont atroces, les gars. Non, putain! Pourquoi je suis tombé? Putain, sa mère, je voulais pas tomber. Regarde où je me suis retrouvé là. Vas-y, thermite, va mettre la pression. Va le thermite par derrière. Oh, bah, thermite là, gros. Là, ça a été maladif, hein, mon frérot. J'ai pas les infos. Fils de p***. C'est pas bien les gros mots. Ça fait combien de temps que tu m'attends, lui? Avec son fait de rire, là. Ah, vas-y, on perd à cause du bug de tout à l'heure, les gars. Ça me rend fou. Ah, c'est ça qui pète les couilles, en fait. Je vous jure, y a pas le bug, les gars. On gagne la manche de défense et jamais on est mené. Allez, 19 points. Pète les couilles. Ah, ce jeu, il est trop bugué jusqu'à la mort, hein. T'es mal, l'écran bleu, tout là, chaque game, frère. Non, mais tous les influenceurs qui lèchent le jeu, vraiment, jusqu'au trou de balle, là. Je les comprendrai jamais, les mecs, hein, vraiment, je comprendrai jamais. Le jeu a des défauts, dis les défauts. Force l'éditeur à se bouger le fion, force-les, au lieu de les conforter et prendre tes abonnés pour des demeurés. C'est grave, quand je dis tu, c'est au sens général, les mecs. Gratiel, merci. Et pas Jackie Michel. Ok, donc attaque sur gratte-ciel, ils vont être au niveau, les mecs, du karaoké. On peut prendre Ying et faire une faste plante, en vrai, faut que les abonnés aient envie de le faire. Donc je sais pas, non, je vais partir sur un buck, les gars, on va voir comment ça se passe. Là, tu mets deux attaques sur gratte-ciel, t'as gagné la game. Je te jure que c'est réel. C'est ma carte préférée, faut pas qu'on fasse de la merde dessus. Mais ce sentiment... Quand t'es énervé d'avoir perdu une game bêtement. Là, ça va pas, les gars, on perd les diffuseurs, oui, faut pas, on se prend des spawn kills de ce gag. Il va falloir se réveiller. Parce que regarde, moi je dois... Putain, je dois faire le tour maintenant. Parce qu'il y a un mec qui va m'attendre à une fenêtre. Et je sais pas laquelle. Donc regarde ce que le temps que je perds. Alors que t'as juste, frérot, c'est pas méchant, mais à faire attention. Ah bah Supra, il l'a pris. Bien joué, mon gars. On a perdu du temps tous les deux. C'est vraiment chiant, les gars. On perd le bricheur, en plus. C'est dommage, les gars. Y'a un mec au top, là, je l'entends. Ah, ça va être chaud. Ah non, mais c'était pas Supra. C'était le player fou qui avait pris Ram. Ok, excuse-moi, gros. Ah mais le diffuse du coup, ah vas-y c'est bon, j'arrête. J'arrête de partir à la conquête de ce diffuseur, les gars, ça me saoule. Il va peut-être y avoir un mec au-dessus de moi. Ok, le préfire n'est pas bon. Et le diffuseur est trop loin. Bah je suis condamné à faire un exploit. Faut que je prenne le diffuse, hein, j'ai pas le choix. S'il y a personne BP, c'est qu'ils sont tous en train de m'attendre au niveau du diffuse, les mecs. Mais ouais, t'es mort, y'a personne. Personne site. Tous sur le diffuse. Franchement, vous déconnez, les gars, ça me pète les couilles. J'ai pas le diffuse, ils sont en bas. Moi, je me donne pas, hein, je veux pas à la morgue, hein, c'est rien. Regarde, ils renforcent même pas les murs, ils font rien. Ah là là, les gars, franchement, putain. On est impuissants. Faites attention, les gars, à vos spawns. Moi, je me mets au BP. Oh, au BP. Au spawn tour. Là, t'es assez bien ici. T'es tranquille. T'as peu de chance de te faire, entre guillemets, spawn kill. Et puis, si jamais c'est le cas, tu fais attention. Tu sais que ça peut sortir quelque part. Regarde là, Mozi. Regarde les gars, c'est abusé. Vous le savez qu'il le fait, vous mourrez quand même. On perd encore une fois le Ace, comment on open le tien? Ah vous déconnez les gars, je vous jure vous déconnez, moi je suis pas Thanos hein, pour faire 40 kills. En plus deux fois là de la même manière, c'est ça le pire, t'apprends pas de tes erreurs. C'est grave. Est-ce qu'il y a un... Oh il y a un Ela, quand je vais rentrer, je vais me faire défoncer gros. Je peux pas, comment on fait maintenant? En vrai, regarde. En vrai vous savez ce qui va nous sauver les mecs? C'est qu'ils vont vouloir tous piquer en face. Et là le plus important surtout... Attends, je vais leur faire croire que je push là, alors que pas du tout. C'est ici. Ils sont trop cons de pas avoir renforcé. Les gars, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, mais on va devoir quand même y arriver, hein. Le diffuse, il a bubble wed. Eh, je me la prends, vas-y, c'est bon. Ça me pète les couilles. Là, les mecs, c'est ce qu'on fait, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Se faire open kill, perdre le diffuseur... En fait, ça joue comme si c'est une partie rapide. Ça joue pas pour gagner, vous avez capté? Ça joue en fait pépère, c'est Homer Simpson avec ses pantoufles et sa bière, là. On fait n'impe. Je vous jure, on fait n'impe. Regarde, là, il respawn kill, lui. Attends. Là, il va mettre un C4, peut-être. T'attends, tranquille, tu le sais. Eh, je vous jure, R6, les mecs, c'est pas compliqué, hein. En face, ils prennent de la confiance. En plus, frontière. Gratte-ciel, c'est une map tellement simple à jouer. Allez, on leur met la pression. Ram, elle va faire le plancher. C'est parti, les gars. Go. Ils sont nuls en face, hein, les gars. Vraiment. Je vous jure, ils sont plus en de l'anus.
Regarde, Mozy va être gourmand. Mozy mort. Là, y'en a qui va me piquer. Je le sens. Hein, en perle diffuse. Dommage, mon frère, au Supra. Je peux pas lui en vouloir, les mecs. Hein. Supra, c'est un open killer. Il fait beaucoup de kills. En plus, ça va. Le diffuse, il est pas perdu trop loin. Mais en vrai, on joue vraiment trop mal. Hein. Oh, c'est cataclysmique. Comment ça joue après? En face, ils font des trucs chelous aussi. Hein. J'ai perdu toute ma vie, les gars. Ok, allez, on peut le faire. Faut juste pas que je me prenne un C4. Le diffuse, les gars, on y va. Ramassez, bien joué. Ah, on l'a reperdu aussitôt. Franchement, c'est bizarre comment on joue, je vous jure. Ça se passait tellement bien tout à l'heure, les gars. Là, c'est maladif. Je vais mourir. Oh, je peux rien faire. Ils vont tous m'attendre, gros. Ils vont tous sortir aussi. Je vais essayer de passer de l'autre côté, vite fait, ça peut le faire. Hein. Là, il y en a un qui tire toutes ses balles parce qu'il est flash complètement, mais misère de misère, j'ai pas le diffuse encore une fois. Ah, je peux pas, les gars. Je peux pas. Injouable. Après, c'est vrai, hein, on a pas perdu, les gars, mais dans la physionomie de la game, vous êtes pas dedans, mais je vous le dis, ça joue mal. Chacun de ses meurtres de son côté, il n'y a pas de truc d'open, de T1, machin. Atroce. Ah, tu peux pas gagner comme ça, les gars. Ok, la Geisha s'est déjà fait open. Tu vois, eux, ils open et tout, hein. Eux, ils jouent bien, les gars. Après, s'ils rentrent ici, ils se prennent de barbelés et ils se prennent mon tour. Donc, en vrai, celui qui rentre, il est piégé, les gars. Faut juste faire attention à bah, celui qui a percé la Geisha carrément. Bien joué, Supra. Allez, mon gars. Ah, il en a perdu le frérot, les gars. Ah, il est rentré. Lui, il est rentré. Ok, il est mort. On a le diffuse, les gars. Faut que je me taille vite. Je sais que c'est ouvert. Oh, on a des bonnes positions, les mecs. Ça va le faire. Geisha, il est rentré. Ivana. Avec un mec au bac, les gars. Ici. Flasher, doucement, doucement. Rook, je te couvre. Je fais comme je peux, les gars. C'est vraiment dur d'être un peu sur tous les fronts, là. Ah, on est tombé encore. On est trop site, les gars. On est trois au même endroit. Ranime-toi, Rookie. Ranime-toi. Wesh, il est tombé sur la table. Bien joué. Allez, les gars, on peut remonter. Ah, il faut remonter cette game, hein. Cette game atroce, les mecs. Là, pour l'instant, nous, à titre perso, on joue bien, mais ça suffit pas. Il a mis une clé mort. Oh, vous avez vu sa tête qui passe? Je suis abattu. Putain, on aurait tellement pu lui mettre, frérot. Dommage. Bien joué. Ça, c'est un bon open kill, les gars. Là, il a pris un turn en dessous. Oh, j'allais mourir avec mon turn. Bien joué. Voilà, les gars. Yeah, c'est très bien, là, ce que vous proposez. C'est très, très bien. Nous, on sort. Allez, go, c'est parti. Il est pas là. 5v1, c'est très bien. Masterclass. Vous avez vu que vous en êtes capable de faire des choix intelligents. Ok, les gars, merci, c'est pas compliqué, faut simplement avoir envie de gagner et être plus fort que l'adversaire. Jusque-là, tu vas me dire que c'est, oui, logique. Mais ça prend tout son sens, les gars. Pourquoi est-ce qu'il serait moins bon que nous en face? On joue entre guillemets à armes égales, vous avez capté? Il est là, je l'entends. Voilà, les gars, masterclass. Vraiment, c'est pas méchant, mais en face, ils sont trop nuls. Je vous jure qu'ils sont trop nuls. À partir du moment où j'arrive à être en 9 kills, les gars, c'est vraiment qu'ils sont nuls. C'est réel. Je pense qu'ils vont passer là-bas. Regarde bien. Putain, ça, j'ai une demi-seconde de retard. Je suis abattu, les gars. Et voilà, là on se prend l'open kill du rook. Malheureusement, frérot, fallait pas que tu crèves. C'est quoi sa poche là? Je sais pas du tout ce qu'ils font. Ah, il est contact. Il est contact, le ace. Attends, on va le mettre là-haut comme ça. Ah, on va perdre, les gars. Cette game elle est perdue, je pense. Malheureusement. Donc là, je suis un V4 pour mon champion. Je vais tout donner. Il est rentré ou pas? Où est-ce qu'il est ressorti? Ah, il est ressorti. Là, j'ai loupé mon kill. Ah, vas-y, les gars, on fait n'importe quoi. Atroce. La game atroce. Celle-là, c'est... Ouais, bah, elle m'a dégoûté. Mais vraiment, je viens de perdre, bah, sur ces deux games, Clubhouse et celle-ci, bah, 38 points, logiquement. Oh, c'est génial, je suis ravi, les gars. Putain de merde. Putain de merde. La loose. Ouais, faut qu'on retombe sur gratte-ciel, faut qu'on la gagne cette fois, les gars, ok? Alors attends, on se banne Park ou Villa? Attends, je sais pas trop, vu qu'on est en défense, c'est bien de commencer sur Park en vrai. Bon, je sais pas trop, vous voulez enlever gratte-ciel? Eh ben, on enlève gratte-ciel, les gars. Voilà. De toute façon, il l'avait enlevé en face. Chalet, Oregon, parfait, allez, c'est pour nous, les gars, c'est vraiment pour nous là. Allez, ban, ils sont gotesques, les gars, c'est les 4 agents pour moi les plus cancers de R6. Allez, on se met dortoir des enfants, on va se reprendre Thorn, on a fait du carnage. Même carrément, c'est plus torn, les gars, c'est porn. On leur a fait un film de cul. Allez, les gars, rota, go, c'est parti. On renforce le gros nid. Le gros nid, j'ai dit. Ah là, je sais pas qui c'est qui est à côté de moi, je crois que c'est Tubao. Ah, t'es un bon, Tubao. Là, les gars, la rota, go. Allez, on va se mettre un torn là pour éviter que le planteur il vienne nous embêter un peu. Hop, on en remet un là. On va barricader nous le trophée. Vraiment que ici, les gars. Ça nous fera une zone complètement, entre guillemets, safe. Il faut que je me sorte les doigts du cul. Il faut que je refasse comme à l'ancienne des putains de 20 kills. Hein. Si seulement j'avais su ça plus tôt. Y'a un mec devant moi, les gars. C'est un ace, il est mort. J'ai un casque, celui que j'ai, hein. Le Fnatic React, là, je sais pas quoi. Franchement, il est pas mal, les mecs. Hein. Il est vraiment pas mal du tout. Bon, ok, en vrai, nous, on a fait notre job. Hein. On a tué le bricheur. Ôtez-moi la trace de sang. Bien joué, Slash. C'est un bon Slash. Ah, c'est site, les gars, wesh.
Comment ça, c'est site normal là, wesh? C'est pas possible que ce soit site normal à la ZUP. Trophée, ça pète. Ok, il est pas mort avec mon torn, lui. Bien joué, gros. On l'a eu. Oui, les gars, bien ça. Mais je suis content, voilà. Là, les gars, je vais vous proposer une strat de plouc. Mais vraiment de plouc, hein, les gars. Moi, je renforce rien en bas. Il y a Mirage, je vous laisse faire votre délire. Et là, t'es masque, on va faire. T'es masque, on va faire, ma couille. On va faire le triple torn. Un torn là. Un torn là. Et un torn là. Les gars, ça va être un carnage. Ils pourront jamais passer ici. Regarde, un temps d'activer. Il va peut-être reculer. Ok. Oh, fallait faire une rota, les mecs, là. Putain. Eh ouais, je fais comment, maintenant? Pfiou. Allez, meurs. On l'a pas eu, dommage. Là, je m'en supra. Eh ouais, fallait que j'ai ma rota, les gars. On fait des trucs. Là, je suis condamné, en fait. Ah, je vais mourir au H. Comment ça se fait qu'on fait pas de rota? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, les gars? Et aussi, les gars, ce qu'il faut savoir, vraiment, je vous le dis cash, quand des fois je tilte un peu, que je m'énerve, c'est pas du tout contre vous, mais loin de là, si vous saviez à quel point, c'est pas du tout vous contre qui je m'énerve. C'est parce que moi, je suis en game, tu vois, je vis la game, justement, tu vois, j'ai envie de gagner. Donc, j'essaye vraiment de faire du mieux que je peux, mais faut pas le prendre personnellement quand je m'énerve, quand je rage. Ça a mis un coup de gun 6, je crois. Vas-y, mon petit goyon, on va essayer de garder la zone. Là, frérot, attends, essaie de pas trop bouger. Ah bah voilà, j'ai essayé. Bon, la défense, elle va être compliquée, les gars. Le Ace, on a même pas pris de bandit, rien. Ouais, là, la défense, elle pue la crotte, hein. Je vais essayer de faire comme je peux. Ah, ça pue, hein. Ça pue du cul. On va essayer, les gars, on va essayer. On n'a pas encore perdu cette défense. Tant qu'on est encore en vie, ça va le faire. En tout cas, l'autre, il fuse le site, donc ça veut dire qu'ils sont pas dedans. Meurs pas, Frost, meurs pas. Bien joué, Frost, on peut le faire. La trappe. On renforce pas la trappe, les gars. Ça, tu vois, c'est des trucs. On renforce pas la trappe. Attention, danger. C'est la trappe qui nous a mis dans la sauce, malheureusement. Allez, on gagne 2-1, c'est l'essentiel. Il y a un dicton qui dit que l'essentiel est dans l'actel, les gars. Normalement, c'est quoi, ils sont au top. Il y a personne qui va être là. Enfin, j'espère. Bon, je passe par en bas, on nettoie un peu la zone. C'est plus safe, en vrai, de passer là. Hein. Tu t'exposes pas à te ramasser un rumeur bizarre parce qu'il aurait aucun intérêt à venir là, étant donné que personne ne passe là. Enfin, tu vas voir que je dis ça. Bien joué, mon supra. Ok, on a pété le mute, c'est une bonne chose, l'alarme. Ah. Ok, donc il y a un castle, les gars. On va vite se dépêcher, histoire qu'il y ait personne qui vienne me back. Vite. Ah, il y a un mozy maintenant, il y a le bloqueur de drone, super, on est content. Allez, pression, à vous de jouer. Ça va venir me chercher forcément, les gars. Allez, go, on met la pression. Ça va le faire. Il y en a forcément qui va venir me back à un moment donné, les gars. Je peux pas, il y a le mozy de merde. Bien joué, slash. J'ai trop peur du back. J'ai peur. Ah, je l'ai pas eu. Il est repassé là. Hoping, les gars, hoping. Le frérot, comment on fait là-bas, là? C'est un tube à eau, les gars. Oh, c'est une singerie qui soit pas à terre. Toujours pas. Bien joué, gros. Belle attaque. On va refaire la même attaque, les gars. On va passer chantier par le bas. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont dans le coin. Instant de vérité. Pour l'instant, non. Mais premier degré, j'ai entendu des coups de shotgun. J'aime bien passer par ici, c'est vraiment sympa. Ah, oh, putain, on a perdu Supra direct, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Là, ça va se sentir mauvais. Le mute est mort, et je pense qu'on va tous mourir. Oh, vas-y, ta mère. Comment vous êtes tous morts, les gars? J'ai pas compris, là. Il est où, le mec, qui vous l'a mis? C'est un Warden, mon gars. Il va te niquer de ta mère. Et la mienne, peut-être, aussi. Ils vont tous me push. Ah, vas-y, Warden Roaming de t'es mort. Le miracle n'a pas eu lieu. Il y en a que un en face, hein, il joue, hein, c'est le Warden Roaming. Il est en train de porter tout le monde. Ah ouais, regarde ce qu'il met, frère, il sort à la zub, il met des dingueries. Oh les gars, il est trop chaud. Vas-y, je vous drone, les gars, vous avez la cam défaut, comme d'hab, vous connaissez SK, il y a l'air d'avoir personne. Par contre, pilier, il y a le Warden qui est en train de monter. Il monte, les gars. Attention, Nomad, doucement, mon frérot, je te le fais bouger. C'est quoi ça? Wesh. Ah, mais les gars, sauf qu'en face, il va y avoir Mira, moi. Je peux pas. Je veux bien essayer de couper un accès, mais le truc, c'est qu'il. Ouais, bah ouais, il va être en face là. Oh, y'a pas de Mira! Wesh, c'est une singerie qui sort pas mort là! Enfin! Il est où le last là? Oh, let's go! Attends, heureusement qu'il avait pas la vue sur moi, hein, que c'est un kill gratuit, hein! On gagne les gars, let's go! C'est bien, on rattrape la game qu'on a perdue avant! J'adore Sledge, son gros marteau là! Putain, j'ai envie de le sucer! Hein, quoi? Qui a dit ça? Ah, franchement, belle game, les gars. Belle beat. On va du coup récupérer les points qu'on a perdus. J'espère que ça sera un peu plus quand même. Peut-être 19, ça serait cool. Même si je pense que ça va être 18. Effectivement, on est trop bon, les gars. On est trop bon. Ah, je suis désolé, la première manche, elle a bug, les gars. Bon, de toute façon, vous avez rien loupé, les gars. On a tapé. Enfin, on s'est fait taper un rush par une hache. Une hache énervée, les frères. Hopping, ouais, attention, mon gars. Ils sont énervés en face. Hein. Ah, y'a Ying qui push et tout. Ouh. Derrière toi, Castle. Ouais, Castle, chaud.
chocolat. On va se faire décimer. Ah, c'est l'hologramme, je suis abattu. Oh, Shanka, mon pauvre. Ok, donc là c'est mort, on est plus que deux. Il y en a un fenêtre, un qui veut venir là sur moi. Meurs, s'il te plaît. C'est une singerie. On va la perdre cette game, je suis pas défaitiste hein, les gars. Mais ouais, pfff, si tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire, frérot? Sit. Mon frère, sit. Putain, j'ai peur là. Contact à ma gauche, mon gars. Ouais. Bien joué, mon frérot. Putain, je sais, les gars, je sais. J'ai Warden, faut pas que je meure, je sais bien. Mais si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un seul petit spawn kill, on a gagné. Ouais, il passe en dessous, garage inutile. On fait demi-tour vite. Ouais, j'ai l'info sur lui. Mais on n'a pas fait les murs, les gars. Non, mais c'est quoi ça? Je suis parti faire les trappes cuisine, moi. Enfin, la trappe cuisine, pardon. Regarde, Azami, la pauvre, elle est en train de les faire maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut faire ça, les gars. Oh putain. Et ils sont deux. Je vais mourir. Faut que je reste à proxy du BP avec la Ying. C'est pour ça que j'ai pris Warden, les gars. Parce que quand ça joue Ying, je prends Warden. Faut qu'il passe un de ces quatre. Let's go. Bien joué, Azami. Ça, c'est bien. Je sais pas si le T1. Ah, le T1 était percé. Merde. Il y a glace, les gars. Oh non, on est trompé trop vite encore. Putain, fait chier, les mecs, hein. Il va me piquer, lui. Il y en a un dans le pilier. Ça pose. Ouais, c'était sûr. Il y en a un là, les gars. Ah ouais, je l'entends depuis tout à l'heure. Je sais pas qu'il est là. Les gars, allez. Allez, faut rien lâcher. De toute façon, moi, dès qu'on perd, j'arrête. Là, j'en ai marre. C'est un peu pénible, les gars. Tu veux que... Attends, vas-y, je prends le diffuse, gros, si tu veux. Pas de soucis. T'as pitié pendant que je drone qu'il y ait personne qui vienne me shooter en rappel, les gars. C'est tout ce que je demande. Ok, il y en a un escamen. Alibi. Azami. Moi, je peux pas timer de grenade par en dessous, malheureusement. Moi, je suis un rappel juste là. Faut surtout pas que je meure, les gars. Je suis un peu trop important avec le diffuseur. Putain, j'aimerais tellement la shooter, Mira, là-bas. Ah, on joue tellement mal, les gars. On se prend que des open kills depuis tout à l'heure. Encore un. On peut pas. J'arrête. Doucement, voilà. On prend le temps, les gars. Twitch, faut que t'ailles péter les Mira. T'as les deux drones, c'est à toi de jouer. Je vais me prendre la C4. Twitch, elle a pas fait les Mira, les gars. C'est... Franchement, des fois, je comprends. Hein. Enfin, je comprends pas, surtout. C'est plutôt ça, c'est plutôt que je comprends pas. L'info là-bas. Oh, je peux rien faire. Comment tu veux que je fasse un truc? Moi, je veux bien, les gars. Je veux bien, mais vas-y. Sans déconner, je suis trop seul à jouer. Je suis vraiment trop seul, les gars. Putain! Ouais, l'état des games, les gars, je vous jure, mettez-vous à ma place. On a la mission du champion. Et ça se passe comme ça, c'est grave, hein. Y'a un mec dans le contact, non? Attends, là. Est-ce que je suis carrément zinzin? J'ai cru voir un truc bouger, les mecs. D'accord, je suis complètement zinzin, je vous jure que j'ai vu une ombre noire. Là, les gars, on regarde ce qu'on prend, Kali et Thatcher. Ça sert à quoi de prendre les deux, les mecs? Putain. Derrière moi. Voilà, le son, les gars. T'as le casque que j'ai, franchement, satisfait, hein. Ok, il y a un Aruni, tain, ça va tellement être chaud. Je vais devoir le péter, les gars. Ah, je suis obligé. Normalement, il me reste un drone qui est pas trop loin. L'importance de placer ces drones, les gars. Vous avez capté? Il y a un mec au fond. Donc lui, tu lui times une grenade. Faut que t'arrives à avoir l'info au bleu s'il y a quelqu'un. Ok, il y a Aruni. Là, regardez bien ce qu'il... Non, il y a un gars, je crois. Putain, il vient de me gêner dans mon move. Eh si, il est bien là. Eh ouais, il joue très bien en face. Bien joué. Bien joué à vous, franchement. GG. Le frérot, voilà, j'avais bien entendu. Voilà, tirez, les gars, la planque, c'est bien, ça passe. Et non, il a pris le C4, ils sont trop forts en face. Nous, on n'y arrive pas. Regarde, les gars, vous faites quoi? Prenez une ligne, go, une ligne. Oui, bleu. Oh, les gars, c'est une catastrophe, les gars. Bien joué, frérot, mais la catastrophe de rusher comme des bœufs, comme ça, c'est un truc de ouf. Bien joué, t'offres du sursis, Thatcher, mais... Oh, le push, c'est bien de pusher. Mais pas en prenant pas de ligne, les gars. Oh, c'est un miracle si jamais on gagne. C'est... Oh, le miracle de la vie. Ah, lui, il fait peur avec son gros shotgun. Il est en Coleman Key. Bah, c'est le premier. Tu tues Kate, t'as gagné, les gars. Mais putain, pas de pig rouge. Regarde, maintenant, il le chef. Bah, les gars, regarde, il va le traquer, mon drone, maintenant. Putain, mais ouais, regarde, heureusement qu'il est bête. Si vous voulez, mettez un ping rouge sur le vôtre. Moi, je dois aller fuse, les gars, le hall d'entrée. Mon drone, j'avais la vue complète, là. J'étais trop bien. Oh, vous comprenez rien, les gars. Je vous jure, vous comprenez rien. Ah, lui, faut que j'aille le niquer. Et, ah, il l'a vu, maintenant. Ah, on a la mine à casser, les gars, ok. On va essayer d'y aller. Kali, tu l'as mis à terre, non? C'est bon, elle a cassé la mine, Kali. C'est bien joué. Vas-y, faut que mon fusil fasse un kill, hein. Ça serait le top. Allez, fuse. Casse un truc, mon fusil. Il a rien cassé. Impeccable. Allez, l'attrape. Pas le kite. Là, normalement, il y a l'emplacement du Mira. J'espère que ça va faire un kill. Ok. Non, ça a rien cassé. Vas-y, go, fuse. On va faire du dégât. C'est parti. Ouais, j'en avais mis à terre. Et on va le garder en réserve, celui-là. Pour se débarrasser du Kade. Vas-y, fuse active.
Ah, il me la met, hein, ce fils de pute. C'est pas bien les gros mots. Ah, vas-y, ça me casse les couilles. Bien joué, mon gars. C'est bien. Ah, il peut pas. Il pouvait pas, dommage. À gauche, ouais. Et à droite. Ouais, tu peux rien faire. Il peut rien faire, c'est pas de sa faute. Dommage. Mais c'est rageant de perdre ça, franchement. Tu vois, moi, je fais une erreur. Juste une seule, de perdre mon duel contre le Kaïd. Et tu perds à cause de ça, parce que le Kaïd, il casse les couilles. En face, il est en 13-3, il se balade, il y en a un qui fait 6 kills, et voilà. J'ai pas pu tout faire, les gars. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Mais j'arrête de jouer, ça me pète les couilles. Mais voilà, ne le prenez pas pour vous, hein, les abonnés. C'est juste que je comprends pas en face que ça joue mieux comme ils sont en train de le faire que nous. Bref, du coup, les mecs, on va s'arrêter de jouer. Ne le prenez vraiment pas pour vous, les abonnés. C'est loin d'être contre vous. C'est juste qu'en fait, j'aimerais tellement être champion que ça me rend fou de pas l'être. Mais l'autre fumier en 13 kills, là, trop fort. Faut qu'on tombe contre les Thanos, les gars. Bref, j'espère que cette vidéo, néanmoins, elle vous aura plu. Et puis, bah, j'espère qu'on ira prendre le champion une prochaine fois. Ciao !